Cette bobine d'allumage, elle est bonne ou elle est pas bonne? Pour être sûr d'en avoir une bonne, y'a qu'à en mettre une neuve. Comment ça, ça coûte cher? Si vous voulez, je peux vous dépanner de 50 balles. Le mieux, c'est quand même de pouvoir la tester, non? Salut à tous. Alors sur ma voiture, j'ai d'abord eu un manque de puissance et des tremblements moteurs anormaux. Puis ensuite, le voyant moteur s'est allumé. Alors la première chose à faire dans ces cas-là, c'est de lire les codes défauts avec la valise. On branche la valise sur le port OBD2 et on met le contact. Et le code défaut lu, c'est P0304, ce qui correspond à des ratés détectés sur le cylindre numéro 4. Alors y a pas à chercher plus loin, ça correspond bien aux symptômes. Un cylindre qui fonctionne pas, ça fait perdre de la puissance et ça fait aussi trembler le moteur. Sur les voitures avec pas mal d'électronique, la première chose à tester, c'est d'être sûr que la batterie se charge bien. Oui, parce qu'avec un mauvais circuit de charge, il est possible d'avoir des codes d'erreur qui n'ont rien à voir avec le problème. Je démarre la voiture et je branche mon voltmètre sur la batterie. ~14.5, on est bon. Alors ici, j'ai un bar graph et il fluctue pas. Ça veut dire que la tension est bien stable. J'ai aucun problème avec le circuit de charge, donc le problème ne vient pas de là. Maintenant, la première cause possible de rater cylindre, mais aussi la plus simple à tester, c'est l'allumage. Je vais donc tester l'allumage du cylindre numéro 4, et sur cette voiture, le cylindre numéro 4 se trouve ici. Et on va donc commencer par tester notre fameuse bobine. Je débranche le connecteur qui alimente la bobine, et je peux débrancher le connecteur de l'injecteur d'essence également. Et la bobine tient par une seule vis de 6. Hop, c'est ça comme vis. Et je tire dessus. La voilà. La vis, elle vient dans le trou, là. Donc voici la bobine d'allumage appelée aussi bobine crayon, tout simplement parce qu'elle a la forme d'un crayon. À l'intérieur, c'est un transformateur qui permet de fournir la haute tension nécessaire à la formation de l'étincelle au niveau de la bougie d'allumage. Le primaire du transformateur se trouve ici. Les impulsions d'allumage arrivent sous basse tension 12 volts avec un courant élevé. Et de l'autre côté, il y a le secondaire du transformateur, là où se branche la bougie. Et de ce côté-là, le courant est beaucoup plus faible, mais la tension est suffisamment élevée pour créer une étincelle au niveau de la bougie. La connexion de masse se fait par la vis sur le moteur. Et pour tester cette bobine, j'utilise un testeur de... Un testeur de bobine. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Si ça vous intéresse, j'ai mis un lien en description de la vidéo. Alors de ce côté-là, il a la forme du haut de la bougie. Je le branche directement sur la bobine, comme ça. Et le fil de l'autre côté se connecte à la masse de la voiture. On va pouvoir observer les étincelles ici dans cette fenêtre. Bien entendu, il faut que le moteur soit en marche avec la bobine connectée au primaire. Je branche la masse ici. Et on peut régler la longueur de l'étincelle en tournant au niveau du connecteur de masse. La longueur d'étincelle standard pour les bobines crayon, c'est environ 2 cm. Alors oui, c'est beaucoup plus long que l'étincelle d'une bougie, mais c'est parce que la pression des gaz est beaucoup plus élevée dans le cylindre que dans le testeur. Je vais commencer avec une longueur d'étincelle de 1 cm. Je branche maintenant la bobine normalement à son câble. Alors le connecteur d'injecteur d'essence est rebranché, mais vous pouvez le laisser débrancher. En fait, ça évite d'injecter de l'essence dans le cylindre qui de toute façon ne fonctionnera pas. Je démarre le moteur. Et on voit des étincelles. Alors j'éteins la lumière, vous verrez mieux. Là j'ai des étincelles de 1 cm de long. Alors ma bobine fonctionne, mais je vais quand même tester avec une longueur d'étincelle de 2 cm. Donc à 2 cm, j'ai toujours des étincelles, mais un petit peu moins. On doit sûrement être à la limite. La notice de l'outil indique que s'il n'y a pas d'étincelle, c'est que la bobine ne marche pas. Bon, ça, d'accord. Mais si l'étincelle est orange, voire rouge, en faisant beaucoup de zigzags, eh ben c'est pas bon non plus. L'important, c'est que l'étincelle soit relativement droite et bleue. Ma bobine est donc bonne. Mais du coup, il vient d'où le problème sur ma voiture? Eh bien, comme la bobine fonctionne, maintenant je teste la bougie. Je l'enlève.
La voilà. Ah, elle est pas en bon état. Hein. Et ça pue l'essence. Oh, pourquoi ça pue ? Je la nettoie avant de la tester. Et maintenant, je vais tester cette bougie avec un testeur de... Un testeur de bougie. J'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Alors, je mets une bougie neuve à droite et celle que je viens de sortir à gauche. Je vous mets aussi un lien vers le testeur de bougie en bas en description. Bon, bah, c'est pas compliqué. La bougie que je viens de sortir ne fonctionne pas. Alors, la panne est toute trouvée et j'ai qu'à remettre une bougie neuve. Un peu de graisse cuivrée sur le filetage avant le montage. Je commence par serrer à la main. Puis je serre au couple. Sur cette voiture, c'est 34 Nm. Là, j'ai replacé ma bobine dans le puits de bougie et je rebranche les deux connecteurs. Et maintenant, j'ai plus qu'à tester. Alors, ça tremble plus. Et le code défaut ne revient pas après l'avoir effacé. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous évitera des remplacements de bobines inutiles et coûteux. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un pouce ou un commentaire, ou à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt sur Enjoy Wheels!